La région Guadeloupe est-elle bien gérée? Pourquoi nos élus travaillent-ils sur un changement statutaire pour la Guadeloupe? Ce changement va-t-il engendrer des augmentations d'impôts? Eh bien, pour y répondre, nous recevons M. Harry Chalus, président de la région Guadeloupe. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 100e numéro de Face à la Presse. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez sur OTV, vous nous écoutez en radio sur OFM RTL en direct. Cette émission est faite en partenariat avec France Anti, FA Guadeloupe. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Anti, est présent. Bienvenue encore une fois, comme chaque semaine. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Centième. Centième numéro. Centième numéro, centième présence. C'est pas trop lourd? C'est énorme. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Non, en tout cas, moi, c'est pour moi un plaisir. Ça me permet chaque fois de faire avec vous donc, l'interview d'une personnalité de notre pays, de la Guadeloupe. Et donc, 100 numéros, ça fait pratiquement 7 ans. Je ne me trompe pas, c'est 7 ans que cette émission existe. Et donc, comme je le disais il y a un instant, nous recevons aujourd'hui M. Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe. Bienvenue sur ce plateau, dans ce 100e numéro. Mais bonjour à vous, M. Vidal, M. le responsable de TV, ça fait plaisir. En plus, 100e numéro, c'est 7 ans, eh bien, c'est énorme. Franchement, je tire mon chapeau. Eh bien, tout de suite, à vous l'honneur, André-Jean Vidal, pour la première question de ce 100e numéro. Monsieur le Président, vous êtes président de région. Êtes-vous satisfait de ce qui se passe à la région? Enfin, d'abord, je dirais bonjour à la Guadeloupe. Bonjour à tous les Guadeloupéens. Je suis satisfait de tout ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui. Il faut le dire que depuis quelque temps, même si certains ne le sentent pas, ne le voient pas, mais c'est bien quand ce sont les autres qui le disent. La région Guadeloupe a une croissance de 3,2%. Nous avons une augmentation de notre tourisme. J'ai encore hier entendu, même dans votre journal, parler de l'aéroport, qu'il y a une augmentation des visiteurs. Les choses avancent. Nous présentons des projets qui étaient dans notre programme, qui commencent à sortir. Vous savez, le temps, le délai d'instruction de dossier, encore ce matin, on vient de le voir, avec la pose de la première pierre de l'usine centrale Lance Bertrand. Non, je suis vraiment satisfait pour l'instant. C'est le bus des mers aussi, c'est formidable, oui, le bus des mers. Je n'en ai pas parlé parce que je me suis dit peut-être que vous me posez la question tout à l'heure. Il y a nous vous poserons la question tout à l'heure. Et voilà, il y a des choses que je ne dis pas tout de suite, sinon je ferai une grande litanie en disant tout ce que vous risquez de me poser comme question. Alors je préfère attendre les questions. Attendez les questions. Mais comme je le dis, c'est vrai, les choses avancent tout doucement, les choses avancent. Et c'est quelque chose que je martèle le plus souvent, que nous soyons à la disposition des Guadeloupéens, faire avancer les dossiers de la Guadeloupe, tous les dossiers de la Guadeloupe, ensemble, département, région, EPCI, commune, de manière à ce que nous puissions avoir la confiance, retrouver la confiance des Guadeloupéens. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Un sans faute? Sans faute. Un sans faute jusqu'à présent? Je ne dirais pas cela. Vous non. Savez, les erreurs sont là. Justement, s'il fallait donner des erreurs, si vous deviez en retenir que trois, ça serait lesquelles? Des erreurs, je ne peux pas. Non, je peux des pas regrets, retenir, on va dire, savez, plutôt. Des regrets, peut-être le temps que prend certains dossiers à sortir, des choses qu'on aurait pu faire plus rapidement. Là, nous avons lancé, comme vous le dites, le bus des mers. Nous avons deux bateaux qui vont être expérimenté pendant un certain temps. Mais pour moi, nous aurions dû déjà avoir les quatre pour Port-Louis, Petit Canal, Sainte-Rose aussi sur le centre de la Guadeloupe. Le transport en commun, on nous a transféré cela, mais c'est compliqué. Nous avons une très grosse DSP, délégation de services publics à lancer pour l'interurbain. Vous avez aussi le gros projet de très haut débit. Hein. Les travaux pour le câble pour les îles du Sud commenceront en septembre. L'entreprise a été retenue. Les travaux sur terre commenceront avant. Mais vraiment, pour le gros chantier, c'est une DSP. Nous aurons une plénière, je crois, le 5 au matin. Car c'est exceptionnel, c'est 15 jours de convocation, il y a des études, des rencontres à faire, il y a des échanges, il y a
compétition, donc ça prend du temps, les études sont longues et ça nous retarde encore, c'est 87 millions. Et des satisfactions, il y a enfin, à part tout ce que nous avons à faire, l'une aujourd'hui qui touche toute la Guadeloupe, c'est surtout l'éclairage public, les 87 millions pour la modernisation de l'éclairage public dans les communes. Le soir, c'est un plaisir pour moi de prendre ma voiture et de partir, de faire le tour de 5-6 communes pour voir un peu comment les communes avancent. Et on voit le changement. 160 000 réverbères, me semble-t-il. 160 000, oui. C'est ça, oui. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Donc, c'est une belle chose pour la Guadeloupe. Vous avez vos soirées, vous savez, vos promenades de soirée. Il y a une chose une année, là. Que moi, je répète depuis tantôt. Il y a trois choses importantes que les Guadeloupéens souhaiteraient. C'est l'éclairage public. De l'eau. L'entretien des espaces verts et que les ordures soient bien ramassées. C'est ça. Le problème de l'eau, c'est un autre problème. Normalement, on devrait avoir de l'eau. Mais en général, quand vous avez de l'eau, c'est cela. Propreté, éclairage public, sécurité. Merci, André Jean Vidal. Quand vous étiez à la mairie de Bémao, un soir, je me souviens, dans un cocktail, vous m'aviez dit, vous allez voir, je suis bien entouré. Je suis entouré d'une belle équipe. Vous m'avez présenté un polytechnicien, des ingénieurs, des personnes de haut niveau, dont Teddy Bernadotte, que tout le monde connaît. Est-ce que vous êtes à la région aussi bien entouré? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Quand je suis arrivé quand même à Bémao, j'étais déjà adjoint au maire. Je connaissais un peu les rouages. Mais c'est vous qui avez choisi votre équipe quand même. Oui, mais je connaissais mon équipe rapprochée. Tout à fait. Mais je connaissais déjà les autres services, le service technique, espace vert et tout. Tandis qu'à la région, j'arrive en terrain inconnu. Donc, c'est vrai, vous faites votre cabinet, mais il y a des méthodes, il y a des vieilles manies, comme on dit. Et puis, il y a les personnes qui étaient là du temps de Lucette Bichot-Chevry, qui étaient là du temps de Félix Proto, depuis Félix Proto. Félix Fay, par exemple, il y a bien d'autres. Et je le dis aujourd'hui, ça va mieux. Effectivement, c'était difficile. Pourquoi ça allait mal? Pardon? Ça allait mal. Non, c'était difficile pour certaines personnes, parce que quand vous avez l'habitude de travailler avec une équipe, bon, il faut le dire, vous n'étiez peut-être pas intégré, vous avez le cabinet avec le président et quelques élus, et le reste faisait son travail quotidien. Tandis que là, moi, je veux que chaque agent puisse s'imprégner, s'intégrer. Vous verrez quand nous nous déplaçons, que ce soit dans les îles, sur le terrain, je demande à ce que les agents, les techniciens, les chefs de service, qu'ils soient présents, qu'ils voient ce qui se passe, car c'est ces personnes qui montent les dossiers. Quand nous, il y a un colloque, un congrès, un salon à l'étranger, pareil à l'étranger ou à Paris, je veux aussi, et j'insiste, pour que catégorie ces plus âgés qui n'a pas l'habitude d'y aller, un chef de service, un cadre, de manière à ce que ces personnes puissent s'imprégner des problèmes de la vie de la région. Et là, je sens maintenant que c'est en train de prendre la provenance. Le COSCLAR, c'est l'association du personnel qui n'existait pas. Nous l'avons remis en place depuis. Eh bien, nous avons deux équipes au rôle inter-entreprise. Nous avons plein de manifestations. Et vraiment, on sent quand même qu'il y a un dynamisme, il y a une participation de ces agents. Mais, comme je le dis, ce n'est pas facile. La région, c'est plus de 1000 agents. Donc, ce n'est pas facile. Mais ça va mieux. Autre chose aussi, on dit souvent... Quand il y a l'élu, comme ça, surtout s'il est président de collectivité, il y a son entourage, et son entourage a parfois tendance à l'étouffer, à l'empêcher de voir ce qui se passe ailleurs. Comment ça se passe chez vous? Ah non, moi ça ne peut pas m'arriver parce que vous savez, je suis un homme de terrain déjà. Et mon avantage, peut-être par rapport à d'autres, et certains n'ont jamais compris cela, si le législateur a voulu qu'il y ait 42 personnes sur une liste de la région et un certain nombre en fonction de la population des communes, c'est parce qu'il s'est dit qu'une personne seule ne peut pas gérer une collectivité. Aujourd'hui, je le dis, j'ai une équipe magnifique. Je le dis, chaque élu délégué au président de commission font leur travail. J'en parlais à l'instant de Jean-Marie Hubert, je vous dis, c'est un bonhomme vraiment merveilleux, magnifique. Pour moi, on n'a pas assez utilisé un bonhomme comme Hubert. Quand je vois comme Bardaï, qui est délégué aux travaux personnels et sur le terrain tous les jours, qui m'envoie des messages, président, il faut qu'on... Donc c'est ça, Madame Duflo, qui s'occupe de la biodiversité, et Madame Céline, Madame Perrin qui s'occupe du très haut débit, la jeune Jennifer Linon sur la formation des touches, Madame Dagonia, Madame Taille-Pierre. Si j'avais écouté les gens, peut-être qu'ils ne seraient pas sur ma liste. Et qui se donnent. Je lui envoie un message à 2h du matin, le lendemain c'est fait. Donc c'est ce qui est important. Et ces personnes, je vous le dis, font leur travail convenablement. Vous avez parlé de Mme Taille-Pierre sur le tourisme. Sur le tourisme, bien sûr. Au CTG, avec les trois autres vice-présidentes, c'est ces personnes qui me remplacent, qui
pour aller sur le tourisme, sur la promotion à Miami, en Amérique. Nous allons avoir JetBlue, nous allons avoir Air Belgium direct en Guadeloupe. Donc, il y a une équipe qui travaille et je l'ai fait depuis le début. Ces personnes ont ma confiance, ma délégation, ils font convenablement leur travail. Je touche du bois, ce ne sont pas des parents à l'air et je suis fier de ces personnes. Je ne parle même pas de mon premier vice-président, Madame Panchard, et Madame Panchard, que j'ai découvert. C'est malheureux qu'on ait fait désaimer Madame Panchard. On entend, on lit des choses sur les réseaux sociaux, mais moi je parle de la Guadeloupéenne. C'est de la compétence, la vraie compétence. Et je le disais hier soir, lors de l'inauguration de la librairie générale, hein, qui était Rigoy Jason, repris par des jeunes Guadeloupéens, notamment Célestine, le jeune Sébastien Célestine, avec une équipe de jeunes Guadeloupéens. On parle souvent de la fuite des cerveaux. Et bien hier soir, c'était le retour des cerveaux. Sept jeunes Guadeloupéens qui sont rentrés pour permettre la pérennisation de cette librairie qui nous donc la région soutient ce projet. La région soutient 2000% ce projet. Mmh. C'est un patrimoine de toute façon. C'est un patrimoine. Bien quand sûr. Le jeune Célestin a essayé de me joindre, je lui ai dit je ne vais pas le rencontrer. Vous voyez, monsieur Céleste, je suis OK. Dès que j'ai su par mon directeur de cabinet, c'était pour la reprise, j'ai dit je suis OK, faites le nécessaire. Et tout a été fait convenablement. Il le disait hier soir, nous avons signé en direct cette convention. Eh bien, c'est sept jeunes qui sont rentrés. Cette jeune, des ingénieurs, des bac plus 8, des doctorants. Et il y a un même jeune, je crois que c'est le jeune, le fils du deuxième adjoint maire de Claude Maurice, qui était financier à Disneyland, qui a quitté pour entrer. Eh bien, c'est parce que nous faisons confiance à cette jeunesse. Il a quitté Disneyland. Investir, créer. C'est ce que nous appelons, qu'on parlait d'innovation. Innover pour durer était mon slogan quand j'étais maire de Bimao. Et là, c'est encore ce que nous parlons quand je me parle de nouveau modèle économique. Je crois que c'est ici, dans cette salle même, que j'ai lancé ce nouveau modèle économique. Et j'ai été décrié. Eh bien, le bus de maire, c'est un nouveau modèle économique. Hier soir, le travail que fait ces jeunes pour la librairie générale, c'est un nouveau modèle économique. Et ce matin, quand nous allons poser la première pierre de l'usine centrale, ce centre d'agro-transformation où le président des légumes de France est venu spécialement pour cette poste de première pierre, quand la région accompagne à plus de 5,5 millions fonds européens, fonds régionaux, et que madame la présidente de la CNGT dit, Charles avait raison, il l'a dit, enfin, votre journaliste était là, j'espère qu'il a pris ce passage, quand elle dit effectivement, Charles, c'est toi qui avais raison quand tu parles de changer d'avenir, je n'étais pas soutenu, mais tu avais raison. Ça fait plaisir. Elle reconnaît aujourd'hui, voilà, c'est ce que nous voulons, changer l'avenir des Guadeloupéens. Et je le disais hier, dans le Congrès, pour que nous puissions avoir l'adhésion, le soutien de la population, il faut que nous puissions travailler. Alors justement, être sur le terrain, matin, midi et soir, quand les Guadeloupéens veulent que nous puissions changer leur avenir, région, département, alors, commune, agglomération. Justement, là, il y a ce changement statutaire, vous êtes en train de discuter là-dessus, ça revient à l'ordre du jour, puisque ça fait plusieurs années que ça revient, 2003, 2007, 2013. Ça fait selon, c'est, je crois que c'est la 15e année. Voilà. Mais je pense alors, que... Pourquoi ça revient encore une fois sur bon, le tapis médiatique? Il est clair que je ne m'étalerai vraiment pas dessus, parce que pendant deux jours, vous avez bien relayé tout ce qui s'est passé. Le président de la République a parlé de la révision constitutionnelle. Donc il est tout à fait normal que les régions, les départements, ceux qui sont concernés, puissent travailler dessus. Aujourd'hui, comme on le sait, la Martinique, la Guyane, d'autres, Mayotte est entré, ont pris des décisions, Saint-Martin-Saint-Barthélemy, la Guadeloupe est dans le droit commun. Que souhaitez-vous exactement? La Guadeloupe est dans le droit commun. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai dit encore à votre journaliste un moment, comme je l'ai dit, il faut qu'on évolue. Avec les Guadeloupéens, avec le sentiment des Guadeloupéens, mais il faut que nous nous mettions ensemble pour savoir quel statut qu'on veut pour la Guadeloupe. Que les pouvoirs régaliens restent à l'État et que nous ayons, s'il le faut, un statut à la carte, que nous choisissons, que nous ayons que nous puissions prendre des décisions dans l'intérêt du développement de la Guadeloupe. Nous avons des problèmes, des lois qui sont votées au niveau de l'Hexagone, l'environnement, l'urbanisme, l'aménagement, qui ne nous concernent vraiment pas. Si on veut développer la richesse et l'emploi en Guadeloupe, nous avons un atout considérable. Quand j'étais maire, je le disais à Bimao, c'est notre littoral, c'est la mer, c'est l'or bleu. Il faudrait que nous puissions aménager, développer, créer de l'emploi, créer de la richesse sur notre littoral. Nous allons avoir un hôtel 5 étoiles. Nous l'avons déjà, la Toubana. Nous allons faire notre
le discours de l'archipel à Saint-Georges la semaine prochaine. Les travaux sont en passe d'être achevés. Nous avons la ROMAC qui aujourd'hui fonctionne. Nous avons des projets, l'accompagnement de la vieille tour, du Club Med, enfin, nous allons créer de l'emploi dans le tourisme. Et avec l'arrivée de JetBlue et de Air Belgium, je pense qu'il faudrait que nous ayons la possibilité d'aménager notre littoral, d'aménager nos vestiges. Donc, en faisant une seule collectivité. Ça peut être une seule, bon, ça, c'est nous allons décider. Ce qui est important, c'est que nous ayons une collectivité, parce qu'il y a trop de, moi je le dis, trop de PCI en Guadeloupe, trop de petites structures qui fait cela, qui fait une cela. Une seule gouvernance, en fait. Une gouvernance, je ne sais pas comment on va décliner cela. Comme je le dis, je ne veux pas qu'on puisse dire, Charles dit ce qu'il veut, je veux que nous puissions ensemble décider de ce qui est mieux pour la Guadeloupe, dans l'intérêt des Guadeloupéens et avec les Guadeloupéens. Vous pensez que justement, ce n'est pas quelque chose qui peut être dangereux d'avoir qu'une seule gouvernance, puisqu'on a connu des gouvernances avec un ostracisme. Ce sont des conneries. Quand on aime un pays, vous savez, hein, quand vous avez une famille, vous avez une seule gouvernance, papa et maman, c'est la famille. Hein. Mm-hmm. Ils ont 7 enfants, ils élèvent leurs enfants. Dans une commune, il y a le maire et c'est sa majorité, il y a l'opposition, il y aura toujours une opposition. Il faut une opposition. Je le dis souvent au maire de Le Mans, il faut une opposition. Pourquoi vous ne puissiez pas faire de bêtises? Pourquoi vous ne puissiez pas vous endormir sur votre laurier? Il faut une opposition. Mais ce qui est important, il faut savoir ce qu'on veut pour la Guadeloupe, d'où on sort et où on veut aller. Et c'est ce qui est important pour moi. Alors André Jean, on va parler du budget de la région. Quel budget de la région, recettes, dépenses Enfin, recettes, dépenses, je ne peux pas vous donner tout. C'est ce sont les grandes lignes, bien sûr. Autour de 500 millions. D'accord. Avec un fonctionnement et de l'investissement, plus de 240 millions en investissement. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai entendu dire que nous avons dépassé, nous augmentons le budget de fonctionnement, ce qui est une réalité, mais pour des raisons concrètes. Il est clair que nous avons signé la convention de Cahors, qui sera respectée parce que nous avons des dépenses exceptionnelles. Que l'État était où l'État était formé, notamment la route du Rhum, les sargasses. Alors, quand on dit que nous avons augmenté les dépenses de fonctionnement, c'est une réalité. Mais pour les Guadeloupéens. Il y a une raison valable. Dans l'intérêt des Guadeloupéens. Voilà. Et s'il faut encore l'augmenter pour les Guadeloupéens, je le ferai. Quand on me dit Marie Galante, Désirade, on ne peut plus sortir à des sargasses. Deux communes en difficulté financière, on fait quoi? Justement, on fait quoi? Eh bien, on est tenu de les accompagner. Quand vous apprenez que l'Europe ne finance plus la culture et que vous avez le festival de Marie-Galante qui a un budget de plus de 800 000 euros. Énorme, énorme, qui fait venir énormément de Guadeloupéens et de touristes. Ça amène de la croissance et de la richesse à Marie-Galante. Tout à fait, ouais. Eh bien, vous êtes tenu de les accompagner à plus de 350 000 euros. Quand vous avez la Ligue de football qui a des difficultés financières, la Ligue de hand qui a des difficultés financières et que les présidents viennent nous voir pour vous dire, président, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous parce que nous avons des difficultés, nous avons du personnel qu'on risque de licencier, eh bien vous êtes obligé de les accompagner. Tout ça, c'est du fonctionnement. Donc aujourd'hui, je le dis que nous sommes bien à ce niveau-là et nous continuerons dès qu'il s'agit de l'intérêt des Guadeloupéens. Alors, on va parler de fonctionnement toujours. Vous aviez été maire de Baie-Mahault durant plusieurs années. Que pensez-vous de la procédure lancée contre le maire de Pointe-à-Pitre? Enfin, je préfère ne pas m'étaler dessus. Il y a une procédure en cours par le préfet. La seule chose que je dis, j'ai entendu trop de choses autour de cela, c'est un maire. Vous savez, à n'importe quel moment, on peut avoir des problèmes. Vous êtes responsable de tous les maux qui peuvent arriver dans une commune. Maintenant, je préfère laisser l'État faire son travail. Je préfère ne pas me mêler. La seule chose que j'ai dite au départ, c'est la méthode, la rapidité avant des élections européennes. Je n'ai pas apprécié. Et vous étiez, vous, en tant que président de région, au courant d'une situation comme ça sur Pointe-à-Pitre? Non, je n'étais pas au courant. Je l'ai appris d'abord par les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que je vous ai dit que j'ai été étonné, c'est tout. La méthode, la manière, que je crois que c'est l'association des maires qui en a parlé. C'est parti sur les réseaux sociaux. Non, je pense que quand il y a des personnes qui ont de très gros problèmes, qui sont cachés, rien ne sort. Parce que c'est un maire, non, il faut que la procédure se fasse. Vous pensez à qui? Non, je préfère ne pas en parler, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour cela. Je pense que nous sommes plutôt là pour parler de notre région qui se porte bien, qui avance. Cette croissance de 3,2%, on n'en parle pas assez pour dire pas mieux que l'Hexagone.
mieux que nos voisins. Donc, et en plus, dernièrement, avec l'INSEE, les chefs d'entreprise disaient que la commande redémarre, eh bien, c'est ce que nous voulons. Et c'est pour cette raison que, quand j'ai rencontré le président de la République dernièrement, je lui ai demandé de donner plus de moyens de revoir les services administratifs de manière à ce que nous puissions accélérer nos projets autour du CHU, du nouveau CHU. C'est 1 milliard de travaux. Mais il y a tellement d'études, vous avez vu dernièrement, le giratoire de Perrin, c'est la région, plus de 60 millions de travaux pour fluidifier cette route. Donc nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur la bonne voie, et c'est ce que je veux. Aujourd'hui, je préfère qu'on me demande qu'est-ce qu'on fait pour la Guadeloupe, où est-ce qu'on va, parce que moi, je me suis engagé, je m'investis avec une équipe volontaire, c'est ce qui est important, des techniciens de la région, que je salue, vraiment les agents de la région, les choses vraiment sont sur le bon rail aujourd'hui. André Jean. Vous êtes à la région autorité de gestion des fonds européens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, aujourd'hui, effectivement, c'est une belle question rarement posée par les médias. L'État a actuellement transféré ses fonds à la région de manière à distribuer. Il y a combien ? 1 milliard. Enfin, les fonds européens, c'est 1 milliard. Près, oui, plus de 500 millions du FEDER, FEAMP, le FEP, le FSE, etc. Le FSE, tout cela. Et c'est nous qui actuellement gérons cela. Et quand l'État gérait ses fonds, il y avait 120 personnes à l'État avait 120 agents. Mm-hmm. On nous l'a transféré avec 12 agents. On vous a donné 12 agents. On a transféré que 12 agents. Nous avions 12 agents à la région pour traiter ces fonds européens. Mm-hmm. Au moment où l'État avait 120. Alors effectivement, ça me permettra de parler de ce que j'ai entendu, que nous avons augmenté le nombre du personnel. Il est clair que je le dis, c'est vrai. Nous avons dû recruter pour gérer les fonds européens, pour éviter les dégagements d'office. S'il faut gérer 1 milliard, il faut certainement du monde. Voilà, l'État avait 120, je vous le dis. Les dossiers sont complexes à monter. Très complexes, et ce n'est pas n'importe qui. C'est pas parce que vous avez fait de la finance que vous pouvez gérer ces dossiers. Mmh. Et là, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous sommes très bien au niveau national. Et nous n'avons jamais eu de dégagement d'office, et nous accompagnons beaucoup d'entreprises. Quand je dis, quand vous voyez que on vous a transféré le CREPS, pareil avec du personnel, on vous transfère le transport avec du personnel. Mais le plus dur pour nous, c'était l'arrêt des contrats aidés. 160 contrats aidés que nous avions. Et nous avons dû recruter quand même une centaine de personnes pour pallier aux besoins des lycées. Là, actuellement, la Chambre générale des comptes nous dit effectivement que nous avons augmenté, mais c'est pas la région, ce sont toutes les communes. La plupart des communes ont des difficultés financières, c'est à cause du fonctionnement, parce qu'ils sont obligés d'avoir du personnel dans les écoles, dans les collèges, donc nous sommes obligés de faire avec. On a arrêté les contrats aidés. Quand vous dites 1 milliard d'euros, ça représente quoi ? C'est 1 milliard à dépenser ? C'est 1 milliard qu'il faut prendre ? 1 milliard qui est mis à disposition des projets des Guadeloupéens, de l'Outre-mer. Enfin, là, je parle de la Guadeloupe. Il y a 1 milliard pour... Il y a à peu près 521 000 euros pour le FEDER, le fonds de développement. 125 millions. Vous avez le FEAMP, vous avez le FSE. Vous avez le fait. Sans rentrer dans les détails techniques, mais 1 milliard, c'est pour faire quoi exactement ? Eh bien, pour accompagner les entreprises, pour accompagner les pêcheurs, pour accompagner les agriculteurs, la modernisation. Il n'y a que le matériel roulant qui n'est pas financé. Mais tout autre projet... Les communes aussi, vous accompagnez les communes ? Oui, les communes sur leur projet. Bien sûr, exemple, ce matin, c'est 4,7 millions de fonds européens que nous avons mis dans le cadre du projet leader de l'usine centrale. Sur les hôtels, on accompagne beaucoup aussi en fonds européens pour leur développement, leur modernisation. Donc c'est beaucoup pour la Guadeloupe. Et je crois que j'ai entendu avant les élections européennes que les gens n'en parlent pas. À 1000 reprises, je l'ai répété, je l'ai dit, que les fonds européens nous accompagnèrent. Bon, même si j'entends, chaque fois qu'on a quelque chose qui avance, mais il faut que toujours qu'on puisse trouver un grain de sable pour dire oui, mais non. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous puissions consommer un maximum ces fonds sur le... Il y a assez de projets pour dépenser ces 1 milliard. Oui, nous avons beaucoup de projets. Les Guadeloupéens ont des projets, ça avance. Sur le lycée de Bembridge, il y a des fonds européens. Sur les écoles, par exemple la ville de Bemao, l'école de Calvaire, il y a des fonds européens à Bouillante, à Vieux-Fort, à Anse-Bertrand, à Déhé, où nous avons accompagné. Sur les déchetteries, voilà. Il n'y a pas sur les routes. Et les gens oublient. Et là, nous avons une très très grosse dépense en matière de fonctionnement. Et on ne le dit pas parce qu'on dit oui, nous avons peut-être augmenté les dépenses de fonctionnement.
Mais quand vous avez 42 millions sur les routes, je dis 42 millions, eh bien, ce n'est pas de l'investissement. C'est du fonctionnement. La construction de la déviation de la Boucan. C'est tout pour vous. Pardon ? C'est tout pour la région. Comment tout ? Ben, 42 millions. De fonctionnement. Non, 42 millions sur seulement les routes. Oui, mais ces routes-là, ouais. On vous aide pas. Non, il n'y a pas de fonds européens sur ces routes. Ah non, c'est, ça c'est la région, c'est vous. Eh bien oui, c'est nous. C'est vous tout seul. C'est les routes qui appartiennent à la régionale. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand on sort le petit canal pour lui, vous arrivez à Pointe-à-Pitre-Bémaro, Petit-Bourg, vous roulez sur une route magnifique où il n'y a pas de trous. On met un maximum parce que les routes contribuent à l'économie du pays. Bah oui. L'élargissement, passer à deux fois deux voies. Par contre, la construction de la Boucan, c'est de l'investissement. Oui. Mais les gens pensent que quand vous construisez ou quand vous refaites un tapis d'enrobé, regarde un peu maintenant quand vous allez sur la basse terre, comment c'est agréable à circuler. Mais c'est du fonctionnement, vous entretenez votre route. Donc ce sont des dépenses que les gens ne voient pas. Donc quand on entend parler que nous avons, oui nous l'avons fait, pour les Guadeloupéens, je ferai toujours pour le maintien des routes. André-Jean Vidal, une dernière question. Dans les communes, on dit souvent que les dossiers européens qui sont préparés dans les communes et qui vous sont transmis, certainement, sont souvent mal ficelés parce qu'il n'y a pas une ingénierie efficiente dans les communes. Il y a souvent, parfois, il y a des communes où il y a un seul cadre A. Oui, vous avez deux cadres A, et c'est phénoménal. Pourquoi ne crée-t-on pas ici, vous allez me dire qu'il y a le centre de la fonction publique territoriale, pourquoi ne crée-t-on pas ici une sorte de, entre guillemets, ENA, ou une école d'administration, pas d'ENA, une école d'administration pour former justement des Guadeloupéens qui sont déjà diplômés à gérer les communes, gérer ce genre de dossier. Enfin, vous savez, même s'il y avait une école d'administration ici, quand la personne réussit sa formation, si la personne veut partir, elle partira. Non, moi, elle reste. Oui, enfin, on peut mettre des clauses comme pour les infirmiers. Bien sûr. Les infirmières qui partent, ils doivent rester 3 ans. Nous, ce que nous faisons à la région... On peut essayer de développer le pays. Eh bien, ce que nous pas sommes, de créer pour, oui, pour d'autres. Hein. Ce que nous sommes en train de faire à la région actuellement, oui. C'est de mettre... on a mis un pool de techniciens à la disposition des collectivités, par très exemple. Bien. La commune de terre de la Désirade, oui. Le maire m'a appelé, nous avons mis à sa disposition des techniciens pour l'aider à monter ses dossiers. Maire dynamique, il faut le rappeler. Oui, il faut le tout dire. Tout à fait. Oui, là, Claude Bioche, rien à dire, je l'ai dit hier encore, hein, au congrès, effectivement. C'est le maire d'une petite commune qui fait beaucoup pour sa commune, il faut le dire. Que la région a beaucoup accompagné, c'est bien. Et nous lui avons mis à disposition des techniciens pour l'aider à monter ses dossiers pour la réparation de la mairie. Nous avons aussi financé cette réparation, l'État l'a accompagné, nous faisons pour d'autres communes. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il est clair que nous avons des communes, des techniciens en surnombre, monter un pôle de techniciens qui accompagnent les collectivités qui n'ont pas... Pour monter les dossiers européens. Voilà. Parce que même si on met les... Aussi, il faut le savoir, à disposition, il faut les payer. Qui les met? Il y a des communes qui n'ont pas les moyens. Donc il faudrait que nous soyons solidaires, que nous puissions accompagner ces communes à monter les dossiers pour les fonds européens. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe, c'est qu'il faut répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Top parti, André-Jean Vidal, vous avez, à vous l'honneur. Vous avez rencontré, il y a une quinzaine de jours, presque 3 semaines maintenant, le président de la République, Emmanuel Macron. Vous êtes son ami, enfin, vous êtes un proche. Mais il ne cède rien sur l'eau malgré vos demandes. Il veut qu'il y ait le syndicat unique et que vous vous mettiez vraiment en ordre pour une autre gouvernance de l'eau. Dites-nous en plus. Je pense au départ que personne n'est l'ami d'un président. On connaît quelqu'un, on est proche d'une personne, vous l'avez dit. La deuxième tout chose, comme vous venez de le dire, c'est pas qu'il ne cède rien. Il l'a dit. Il a mis des clauses. Il l'a dit dans la restitution du livre bleu. Tout à fait. Mais ce n'est pas des clauses directement. Aujourd'hui, pour moi, une clause est respectée. La création du syndicat unique le 1er janvier. Ben donc là, en ce moment, ce n'est pas respecté. Ça sera respecté le 1er janvier. Oui, ce sera respecté parce que ça va mettre en place le syndicat. Ça ne se fait pas au cours de l'année comme ça. C'est ça. Puis, là, on est au niveau d'une forte intention. Oui, mais ce qui est important, c'est que, comme je l'ai répété, je l'ai dit, et je pense que chez vous, c'est la dernière fois que j'en parlerai, nous lui avons fait part du montant que nous attendons pour pouvoir régler définitivement les problèmes d'eau en Guadeloupe. Rappelez-nous, il y a autour de 800 millions. C'est ça. Et nous lui avons demandé, il faudrait que l'État puisse nous accompagner à hauteur de 400 millions, ce qu'il a. La moitié. La moitié. Voilà.
régions, départements, les EPCI pour le reste. Il est d'accord. Ce qu'il a accepté aujourd'hui, comme nous l'avons fait pour des communes, comme nous l'avons fait pour l'usine centrale, où nous avons dit que nous allons mettre plus de 6 millions de fonds européens régionaux dans ce projet, et bien ce matin, la présidente a présenté le plan de financement par régional, par région Europe, par commune, et voilà. Et bien voilà, maintenant, c'est à nous maintenant de monter ce syndicat pour que nous puissions faire le plan de financement, les études par où commencer, parce qu'il y aura beaucoup d'études à faire. Et là, dira l'État, bon, nous sommes prêts, comme nous l'avons fait pour le plan d'urgence des 71 millions. Tout de suite, l'État avait dit 7 millions, ils sont montés à 10 millions, et bien voilà, et nous avons commencé. Donc, il faut qu'on apprenne actuellement à faire les choses dans le bon sens pour pouvoir avancer. Et je le dis, si nous le faisons de cette manière, ça ira. Le préfet Gustin a dit, c'est bien, mais pas avec les mêmes. On va pas prendre les gens de Cap Excellence, les gens de tel endroit, de Duciag et d'autres machins pour refaire une sorte d'assemblée qui sera un syndicat unique. Il faut d'autres personnes parce que eux c'est l'échec. Je suis entièrement d'accord avec le préfet Gustin s'il le dit, à condition qu'il finance à 100%. Comme ça, l'ordonnateur, il sera ordonnateur comptable, celui qui décide. Mais peut-être qu'il se fait le porte-parole du président, qui aimerait que ça soit une autre gouvernance. Je ne sais pas, vous dites peut-être, je ne sais pas. Peut-être, hein, j'ai bien dit. Comme je le dis, il a pris ses responsabilités, c'est un grand, il est préfet. Moi, ce sont les statuts qui vont décider. Mais la seule chose que moi je dis, j'aurais pas souhaité que ce soit un président d'agglo qui soit président de ce syndicat, parce que nous sommes maires et président d'agglo. Conditionnel. Oui, dites. Voilà. Dites, je pense qu'il y aura des personnalités qualifiées, mais ce sont les statuts qui vont définir. Le président. C'est bien de le dire tout ça. Ah oui, mais c'est. Alors il nous reste. Moi, je suis honnête et clair dans ce que je fais. Hein. Il nous reste exactement 2 minutes. On va parler un peu de changement statutaire de la Guadeloupe. Le maintien des services publics avec le retrait de la dotation de l'État pourra-t-elle engendrer une augmentation des taxes en Guadeloupe? Ça, c'est nous qui allons décider en fonction de ce que nous allons décider pour la Guadeloupe. Le retrait des services de l'État. Il y a un transfert de fiscalité à un moment donné. Oui, mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Est-ce que ça peut engendrer une augmentation si l'État se retire à un moment donné? Non, je ne pense pas que l'État se retire. Nous sommes un atout pour l'État, qu'on le veuille ou non, hein, avec notre surface maritime. La zone d'intérêt économique maritime, oui, c'est sûr. Non, pour l'instant, il faut au contraire. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Non, je ne pense pas. Avec tous les problèmes actuellement des Gilets jaunes, c'est le martel, c'est le gros problème, c'est trop de fiscalité pour les ménages. Pour les familles. Donc, je ne pense pas que nous irons à ce niveau-là. André-Jean Vidal, il vous reste 1 minute pour la dernière question. Une simple question. Vous vous intéressez à l'actualité locale et vous savez que depuis quelque temps, il y a dans certaines communes, il y a surtout à Capesterre, un endroit où on avait dit aux usagers de l'eau, ne payez pas vos factures parce que vous n'avez pas de l'eau tout le temps et elle est de mauvaise qualité. Maintenant, ils reçoivent des factures à payer tout de suite, sinon, dans un mois, et là on doit être dans le mois, si vous ne faites rien, ça sera le Trésor public qui ponctionnera sur votre compte bancaire. Ça, c'est des factures de 2015. Après, il y aura celles de 2016, 2017, 2018, 2019. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? En 30 secondes. Enfin, moi, je ne sais pas qui a dit aux gens de ne pas payer des factures, hein. C'est assez clair. Hein. Il y a des gens qui, semble-t-il... Nous sommes responsables, consommez quelque chose, vous payez. Mm-hmm. Si les gens, peut-être, ne consomment pas, n'ont pas d'eau, il est clair que vous devriez peut-être prendre un huissier, quelqu'un pour le faire constater, et il y a des procédures pour cela. Bon conseil. Mais ce n'est pas le cas de Capesterre. Je constate qu'on reste souvent sur Capesterre. Parce que c'est les pauvres. Non, le plus gros, je pense que ce sont tous les abonnés du SIAG. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème d'eau qui ne paient pas. Et c'est ceux qui fragilisent le SIAG. Moi, je le répète, je le dis, les personnes qui ont de l'eau, les personnes qui n'ont pas de problème, payez vos factures pour que nous puissions, nous, je ne suis pas au SIAG, mais je me mets dans tout. Je suis Guadeloupéen, je suis président de région, tous les problèmes de la Guadeloupe, pour moi, je suis dedans. Tout ce qui marche bien aussi, je suis dedans. Parce que c'est mon peuple, c'est mes compatriotes, ma famille. Je demande à ces personnes de payer leurs factures pour que nous puissions continuer les travaux. Ceux qui ont de l'eau tout le temps. Hein? Ceux qui ont de l'eau tout le temps. Déjà. Voilà, ceux qui n'ont pas d'eau. Je ne peux pas entrer dans cela. C'est mais je dis aux personnes qui ont de l'eau de payer les factures, parce qu'il y en a beaucoup, et peut-être plus que ceux qui n'ont pas d'eau, et qui ne paient pas, qui profitent de cela, et qui n'ont pas de problème. Mais ces personnes mettent en danger
le salaire du personnel du SIAG, les travaux que le SIAG a en cours, du SIAG et des autres, PCI ou collectivités. C'est ça. Et concernant les jeunes qui ne paient pas, bon là je pense que c'est une affaire que je ne peux pas vraiment m'étaler dessus parce que je ne maîtrise pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement, quand le syndicat unique de l'eau aura fait les travaux qu'il faut, c'est-à-dire il faut une bonne dizaine d'années sans doute pour faire tous ces travaux. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on bloque la situation et qu'on revienne complètement à zéro de façon à ce que ceux qui malheureusement n'avaient pas d'eau... Je ne peux pas vous répondre à cette question pour ne pas dire demain que chez vous avez dit les responsables prendront leurs responsabilités. D'accord. Ce que je sais, c'est que la région, chef de file de développement économique non compétent en eau, dit payer votre eau. Est la première collectivité avec le département, qui n'est pas aussi compétent, à dire nous y allons, nous finançons dans l'intérêt des Guadeloupéens. Combien c'est maintenant 71 millions 71 millions, là, mais c'est plus de 43 millions pour la région aujourd'hui. Mmh. Et nous avons déjà mis en place le deuxième plan pour ne pas arrêter. Les choses commencent à avancer. Et les ça avancent. Serait combien le deuxième plan 70 millions. Aussi. Alors. Aussi. Excusez-moi, mais les 5 minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous. L'émission continue juste après cette petite pause.